Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du Docteur Critique, là où chaque livre a son diagnostic. Et pour cette critique, je fais un retour dans les premières étagères de ma bibliothèque et j'ai voulu penser à l'avenir et réfléchir à ce que j'allais faire jouer à mes joueurs après la campagne de Warlord of the Accordland. Bien que nous ne sommes pas sur le point de compléter cette énorme campagne, j'ai pensé leur faire visiter le monde de Warhammer. Je me suis procuré les 1000 trônes, mais je n'ai pas la patience, ou plutôt dire je n'ai plus la patience de préparer des campagnes qui dureront des années. Sachant que la trilogie des Voix de la Damnation est assez faible, j'ai tourné mon regard vers Terreur à Talabine. Avant de débuter ma critique, je tiens à avertir que je vais dévoiler d'importantes parties de l'histoire. Alors, vous êtes avertis. Terreur à Talabine se présente sous la forme d'un supplément de contexte agrémenté d'une aventure. La première partie décrit la ville de Talabine. Je ne parlerai pas de cette partie sinon que pour dire que la description de la ville est assez bonne et que la lecture est essentielle pour combler certains vides de description dans l'aventure. Ces vides qui consistent en l'absence de description de lieux, comme les quartiers, les édifices, les personnages non joueurs importants, que l'on retrouve pas nécessairement dans l'aventure et qu'il appartient au maître du jeu de faire intervenir. Le plus gros problème que j'ai décelé, c'est l'énorme baisse de tension qui existe une fois que les joueurs commencent le chapitre 3. En effet, après les événements qui mettent la table pour une apothéose à la Warhammer, le chapitre 3 vient tout détruire, ou même réduire à néant, en obligeant le maître à ralentir la succession d'événements, menant vers l'assaut des Skaven, en ne lui laissant rien entre les mains. C'est la première fois que je vois ça dans une aventure, un début aussi prometteur, et soudainement, on se tire dans le pied. Bon, là je vais m'expliquer. Même les auteurs nous expliquent que la séquence couvrant le chapitre 3 est une baisse de régime par rapport au reste de l'aventure. Mais le temps que dure ce ralentissement dans les événements est ridicule. On peut y passer quelques jours à quelques semaines. Et là, je ne vous mens pas. C'est comme si le fardeau de la poursuite de l'aventure et même de l'écriture de l'aventure retombait entre les mains du maître du jeu. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi que quand on achète une aventure ou une campagne, c'est justement pour ne pas avoir à écrire un scénario de toute pièce pour la compléter. Mais malgré tout, pour combler ce vide, les auteurs ont quand même la gentillesse de nous donner quelques pistes avec lesquelles il est possible de ficeler quelques rebondissements. Mais bon, ces pistes ne sont pas intéressantes. Est-ce que vous donneriez comme mission à vos joueurs de patrouiller les égouts et les tunnels sous Talabine durant plusieurs semaines sans qu'il ne se passe rien, sinon qu'un combat ici et là? Ou encore, est-ce que vous donneriez comme mission à vos joueurs de déplacer des cadavres du point A au point B durant plusieurs semaines? J'ai un peu de difficulté avec cette partie de l'aventure parce qu'elle se veut une espèce de Grand Theft Auto, sans avoir de but et de mission que de donner des points d'expérience aux joueurs. Je pense que la meilleure façon de tirer profit de ce temps très mort, où même les idées de l'auteur sont assez nulles, est de faire interagir les joueurs avec les organisations et les personnages non-joueurs qui seront importants pour le reste de l'aventure. Mais là, il va vous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Le point fort de l'aventure, si on exclut le sérieux problème du creux de vague en milieu d'aventure, est que l'aventure est construite pour démontrer aux joueurs qu'ils sont impuissants face à l'adversité et face aux Skaven qui se déchaînent sur Talabine. À la lecture de l'aventure, on se rend bien compte que même si les joueurs ont réussi à stopper quelques Skaven sous la ville, ils sont bien trop nombreux et s'empareront de la ville, quoi que fassent les joueurs. Certains d'entre vous penseront peut-être que le but des héros est de repousser l'invasion, mais non. Le but des joueurs et des personnages, dès leur arrivée à Talabine, est de survivre coûte que coûte à la maladie, aux bandes de rue et aux Skaven. Cette survie s'effectue en un crescendo d'événements tragiques à laquelle participeront les joueurs. En bref, la dernière moitié de l'aventure consiste à courir d'une barricade à l'autre en essayant de se sauver des Skaven. Bon.
Avec un œil critique, on peut se demander comment cela peut se représenter dans une séance de jeu de rôle. Eh bien, l'aventure propose différents points vers lesquels les joueurs peuvent se diriger au gré de la bataille. Le point culminant de cette partie de l'aventure est la défense du temple de Sigmar. Tout est fait pour que les joueurs soient héroïques, et avec un bon maître du jeu, la prise de Talabain par les Skaven sera épique. Et c'est pas ça qu'on recherche, le côté épique dans une aventure. Eh bien, je pense que dans celle-ci, vous pouvez le trouver sans problème. À un moment donné dans l'aventure, les joueurs auront à faire face à des zombies. Le problème ne se trouve pas avec l'arrivée des zombies dans Talabain. Vous connaissez l'adage qui dit que tout est plus cool avec des zombies? Eh bien, des zombies dans Terreur à Talabain ne rendent absolument pas l'aventure plus cool, loin de là. On se rend compte à la lecture que leur arrivée est comme un Deus ex machina. En effet, ils servent d'élément d'enquête pour retracer un nécromancien qui n'aura peu, vraiment peu d'importance dans l'aventure. Mais vraiment peu d'importance. À tel point qu'il serait facile d'oublier les zombies et le nécromancien et de passer au chapitre suivant. Je ne sais pas à quoi pensaient les auteurs, mais j'ai l'impression que cet épisode, sans conséquence, ressemble au fatidique remplissage que j'aime bien, que j'aborde retrouver dans des aventures ou des suppléments. Et là où ça devient très bon est quand tout est terminé. Eh oui, quand les Skaven ont pris la ville et commencent à faire des expéditions punitives vers les villages aux alentours, c'est là que la vraie aventure peut commencer. Bien que la ville soit sous le joug des rats, il reste encore des lieux où des hommes résistent. Il y a des temples, l'ambassade naine, et tout ça porte un nom. Ça s'appelle la Résistance, avec un R majuscule. Et le but ultime est de reprendre la ville et de chasser les Skaven. Juste à y penser, j'ai des frissons. Imaginez une seconde. Vos joueurs ont passé toute l'aventure à se sauver et maintenant ils deviennent de vrais héros, des héros de la liberté. Et pour une deuxième fois, tout devient épique. Bon, je m'emporte un peu là. Il y a beaucoup de travail à faire de la part du maître du jeu pour en arriver à ce côté épique que j'ai essayé de brosser très rapidement. Et quand je parle de travail à faire, on peut imaginer faire appel à une équipe de reconstruction d'aventure. Il y a tellement de travail à faire pour rendre cette aventure stimulante que je me demande bien pourquoi j'en suis tombé amoureux. Mais l'amour, c'est comme la folie. Il n'y a pas de réponse, que des questions. Terreur à Talabain est un diamant brut qui est noyé dans le lisier de Paar. Trempez vos mains là-dedans pour nettoyer et ciseler l'aventure et vous aurez un chef-d'œuvre, mais il faut y mettre l'effort. Eh bien, c'était ma 52e critique. Un peu courte, mais quand même intéressante. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.